Merci beaucoup Ursula, à tout à l'heure. Événement, disais-je tout à l'heure. Tout à fait Charlie, tout à fait. Si je te dis qu'il a vendu plus de 150 000 exemplaires en France de son dernier album, c'est le héros du film de Michael Moore, Bowling for Columbia, 1992, tu sais. Voici Marilyn Manson. Impressionnant. Étrange. Sur le plateau du Hit Machine, c'est la première fois. Gageons que ce ne soit pas la dernière. Let's We Forget, c'est le personnage de Jesus. C'est un extrait du best-of que je vais montrer là. C'est un inédit, voilà. Let's We Forget, c'est l'album, c'est des best-of, les plus grands titres de Marilyn Manson, ses clips en DVD, des versions inédites. Tout à l'heure, j'ai fait une petite coquille parce que le film de Michael Moore, c'est pas Bowling for Columbia, mais for Columbine. Ce n'est pas grave. Recevons maintenant celle qui est devenue en peu de temps la petite fiancée des Français. Elle s'impose aujourd'hui sur la scène musicale. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'elle est dotée d'une plastique irréprochable aussi. Félicitons-nous de recevoir Evangeli.